Si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus la développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Hello les gens, Santo Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, grosse interro dans ta bouche. Et ouais mon gars, je m'appelle Anto Sensei, forcément je dois vérifier tes connaissances à un moment. Ça fait pas mal de temps que je t'ai pas lâché des interros comme ça, donc en voilà une. Le concept de l'interro sera simple, je vais te montrer des dessins de personnages de manga dessinés par d'autres mangaka ou par des personnes utilisant le style de ces mangaka. Ton objectif à toi, c'est de savoir qui a dessiné ces dessins. Bon, comme je sais que c'est chaud de connaître les noms des mangaka, t'auras juste à me dire dans les commentaires le nom d'un manga fait par le mangaka pour valider l'exercice. Au début ce sera relativement facile donc tu devrais gérer ça comme jamais. Mais tu verras que je te mettrai des pièges. Je t'invite également à noter à chaque fois que tu marques un point et de mettre ta note finale dans les commentaires. Moi comme d'habitude je te mettrai ma petite appréciation. T'es prêt? Ok, sur ce, let's go! On commence avec le premier niveau, cette fois le thème sera les personnages de Shingeki no Kyojin ou Attaque des Titans en français. Allez, t'es prêt? Moi,
On passe maintenant au niveau suivant. Cette fois, ce sont des dessins faits par des mangaka en l'honneur des 10 ans de Naruto. Tu vas voir que certains dessins seront assez durs à reconnaître. Thank you.
Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.